L'association Homogène, c'est une association LGBT qui existe depuis 1996. Elle est reconnue d'intérêt général et elle œuvre à la fois vers une population LGBT, les amis, les proches et le grand public. Donc l'objectif de la marche des fiertés et du village, c'est de dire, regardez, nous sommes au milieu de vous, parmi de vous, nous sommes comme vous, rien ne nous différencie. Aujourd'hui, on marche ensemble, hétéro, gay, trans, pour afficher notre désir de vivre les uns avec les autres. Et donc ça s'adresse à la fois au grand public et à la fois aux personnes qui, étant dans le placard, étant en souffrance, se sentant isolées, voient en nous une espèce de référence, enfin la possibilité d'être soi, la possibilité d'être soi au milieu des autres. C'est pour ça qu'on essaie de travailler avec le plus grand nombre d'associations qui se préoccupent des discriminations, que ce soit la CFDT contre les discriminations au travail, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, que ce soit la planning familiale qui accueille aussi toute une population qui se pose des questions. Donc on essaie de fédérer et donc on était très fiers par exemple d'accueillir une délégation du refuge qui recueille les jeunes qui sont chassés de chez eux à raison de leur orientation sexuelle. Donc l'intérêt de cette marche, c'est celle-ci, c'est la visibilité. C'est aussi la bonne humeur, c'est aussi la revendication, la PMA pour toutes. C'est aussi la commémoration de 35 millions de personnes décédées par le sida. C'est aussi l'affichage d'une volonté de vivre ensemble au milieu des autres, donc une dimension inclusive de notre association.